Prenons à présent la direction du camping de Lille à Mulhouse, situé en pleine nature à quatre stations de tram à peine du centre-ville. Eh bien, il vient de retrouver ses trois étoiles et le label qualité tourisme. Il renoue avec le succès depuis l'an passé, depuis finalement que l'Office du tourisme de la ville s'est lui confier sa gestion. Géraldine Dreyer et Bernard Stemer. C'est un havre de paix que les mulhousiens connaissent peu. Un équipement qui commence à faire parler de lui avec ses logements diversifiés, sa nature verdoyante. Les touristes y sont de plus en plus nombreux, parfois en transit sur la route du sud, comme ce couple de retraités allemands qui comptent rejoindre le canal du Midi. D'autres restent un peu plus longtemps pour visiter les alentours, et c'est le bouche à oreille qui a conduit ces cyclistes à Mulhouse. On a choisi ce camping parce qu'il est bien situé. Et puis, les nouveaux avis que l'on peut lire sont très positifs, alors que les anciens étaient très critiques. Du coup, on a eu envie de vérifier. Voilà un discours qui ravit l'Office du tourisme de Mulhouse, nouveau gestionnaire du camping depuis l'an passé. Il a fallu tout repenser après 17 ans de laisser-aller. L'accueil a été rénové, les sanitaires également. De nouveaux logements ont été construits d'autres sont en cours de rénovation. 800 000 euros ont déjà été investis par M2A et le nombre de nuitées a explosé en quelques mois. C'est évidemment une. Heureuse surprise et on pense encore vers développer, euh, aller encore plus loin. Parce qu'on va être ouvert euh, pratiquement toute l'année, on va fermer un seul mois dans l'année, donc on est ouvert 11 mois. Et là aussi, j'allais à, à Noël, je pense qu'il sera important qu'on puisse accueillir des camping-caristes qui viennent visiter la région. L'offre va encore s'étoffer avec un logement adapté pour personnes à mobilité réduite et deux logements grande capacité. Le camping de Lille est assurément redevenu un outil de promotion et d'accueil des touristes à Mulhouse.